Hey! C'est Ragnar le Viking! C'est Monsieur Souris. Bienvenue dans une nouvelle vidéo! On se retrouve à l'Hécatombe Saguenay. Avec deux invités, on va essayer de présenter le chandail. Ouais, un gros merci à eux autres pour nous avoir invités ici. C'est vraiment super gentil. Ils ont fermé la plage juste pour nous. Puis un gros merci aussi à Jim qui est là. Sans lui, ça ne serait jamais arrivé tout ça. C'est grâce à lui qu'il nous a aidé à organiser tout ça, à rendre ça possible. Fait que là-dessus, on va les laisser se présenter. Salut, moi c'est Pierre-Luc Lévesque, je suis propriétaire de Hécatombe-Saguenay. Tu es à Rivière-du-Moulin, je peux te connaître au 1242 boulevard Saguenay-Est. Présentement, on est ouvert, mais il y a des règles à suivre en tant qu'entreprise sport loisir, c'est-à-dire que on a 4 types de lancers de hache ouverts sur 8. 2 personnes maximum par allée de lancers de hache et ou une bulle familiale. Et au salle de défoulement, c'est la même chose. On passe du masque et un passeport vaccinal requis. Il y a Hécatombe. Je remercie les gars d'être là. J'ai vraiment hâte de vous dire à tout ce que vous avez sur la table. Ah, ça va être malade, ça va être malade. Je vous invite quand même sur ce coup que vous faites. Je suis content de vous avoir ici. Salut la gang, moi c'est Jean-Michel de Mobile Marketing et M2 l'agence. Je connais les deux cons à cause de mon pied à Boré Club. Ça fait longtemps, ça fait une couple de fois là, qu'on voulait faire des shows ensemble et tout. Ben, c'est ça, on est là puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va nous mener à faire. Et que je pense que sur ça, hein, on est prêt à commencer. C'est chaud là aujourd'hui. Hein? Ah oui, puis pour l'écho, c'est normal. Hein? Là, on a des potes parfaites, je ne sais pas si on est à quoi. J'ai mis la première, c'est pas dernier. Regarde, je vais prendre celle-là. Ah, celle-là, il est en moutarde. J'en ai trouvé un en moutarde. Ah, mais non. Oh oui, moutarde, c'est la chose. Non, c'est à l'heure. C'est citrouille. C'est citrouille, quelque chose. Je n'arrive pas à dire que ça sent. Ça donne un. Wouah, à l'intérieur il est chaud! Ah, ça doit être un citron, ouais! C'est du Teletubbies! C'est quoi? Ouais, comme ça s'appelle le Teletubbies jaune! C'est vrai, hein? Je sais pas, c'est à quoi? Le goût, c'est tellement quelque chose, là! Mais j'arrive pas à dire c'est quoi, mais j'ai déjà goûté ça! C'est quoi, citron, je vais garder. Ça me rappelle un souvenir d'enfant! Moi, je sais pas, j'ai pas eu d'enfant! Mais il goûte quelque chose! Il goûte quelque chose que j'ai déjà goûté! Mais ouais, quoi? Non. Mais c'est ça que je ne sais pas. Mais bon. Hey, sérieux, c'est tannant, hein? Oui, c'est tannant. Hey, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a déjà mangé. Ouais. Allez acheter ça au Boréal et dites-nous que ça goûte. Allez au Boréal, dites-nous sur la vidéo YouTube, sur le recap, peu importe sur quoi, je veux savoir c'est à quoi. Fait que dites-nous vos expériences avec... Moi, c'est un bon 8 sur 10 pour moi, là. C'est super bon. Hey, moi, je veux dire, lui qui fait le moins beau lancer de hache, je vois ça. Ok, j'en prends une gorgée. Mais à la chance, je peux tirer une hache dans le sapin. Ah, pas de trouble. Je pense que la peau, il y a six mains. Ouais, à la peau. Les autres pas, ils se mangeaient pas. C'est comme une céréale. Enlève la goûtée. Faut que moi je prends l'orange, puis tu vas prendre une jaune. Ouais, c'est bien bon. C'est vraiment bon. Sérieusement, là, pas besoin de boire ça, qu'il y a rien. Blanc dedans, là. Avec le goût des poteaux, c'est juste, c'est fabuleux. Ouais, ben avec ma beigne, c'est vraiment bon. Hein. Un gabin. Hey, ça goûte les poteaux, ta beigne. Moi, ça, là, je vous le dis, là. C'est ça, coche, ça. Ah, c'est vraiment bon. C'est un 9,5. C'est un peu plus encore, ça.
Non, ils ont reçu la semaine passée. Écoute, je pense que notre couple qui vont passer au Bonnet Club cette semaine. Ouais, c'est un œuf. c'est fabuleux. Ouais. Avec le crémeur, je veux dire. Imagine voir ton sort. Tes Footloops. L'enfant, tes Footloops. Prends tes Footloops, tu bois ton lait au Footloops. Avec ta paille Footloops. On vient de tout détruire. Passe une belle journée, man. Un orgasme pour les papilles. Non, mais il n'y en a plus. Moi, je vais manger les graines. Ça tombe dans ma bague. Depuis, il n'y en a plus, là. Il faut lâcher prix. Ouais. Comme on dit. La journée, c'est vraiment c'est quand même. Faut lâcher prix. Faut lâcher prix. Oh. Oui, je veux goûter. Un pickle à la salsa. Le dernier qu'on a goûté, je pense, c'était Hot Mama. C'était un pickle épicé, mais il était quand même relativement bon. Pas trop épicé non plus. Tu sais, t'as vraiment le goût du fidèle du pickle. Ah, les pickles géants, ouais. Il y en a quelqu'un qui était bon, mais c'est pas plat. Il y en a quelqu'un qui était bon, il y en a qui sont dégâts. C'est le bord, là. Il y a des assiettes, là. Laisse faire ça, prends une hache. Il y avait toutes les assiettes. Hey, ça sent la mort, ah ouais, c'est avec la hache à dos, man. On rit plus, là. C'est fini, là. Hey, c'est plus vraiment la mort, sans t'allure. Oh ouais, pickle, ta famille, c'est fini. Ça sent le vieux tapis. Voilà. Il y a une malformation. Oh, ça va bien avec une hache. Fraîchement aiguë. Je vous le conseille à la maison, mais avec surveillance de parents. Ouais, très important, hein. Ça va faire sous surveillance. Ah, ça sent les. La tache longue. Aïe, on a qui sa gueule. Non, oh non. C'est non, envoie-moi la gueule. Ah, il est pas bon, c'est pas mangeable. Il faut le conseiller. Achetez-le au Boral Blanc. Il faut le conseiller. Ouais. Oh, mais tu en as pas de mots. Avec Notorious B. Je sais pas, je connais pas. Je connais pas Notorious B. Ah là, il est un maudit beau ramen, là. Il y a il sent fort, là. Il sent quand même assez épicé. Ouais, il est vraiment. Oh, mais gars, je vais me lancer. Ben, t'as plus goûté, toi, non? Il y a déjà goûté, Alex, il y a déjà goûté. Blowing it? Ah, ok. Tu vas y goûter pareil. C'est pas tabarnak. Ça goûte rien, mais ça goûte fort en esti. Ça n'a pas de goût particulier, genre. C'est gris. Ah ouais, c'est gris. C'est j'ai chaud dans la tête, là. Ça a été un petit peu, là. Écoute, ça, c'est. Là, on va être honnête, là. C'est une expérience, c'est ça, parce que c'est ça. Ouais. Pour le truc, on va le faire, mais sinon. Il y a la fois trop aussi, hein. Un peu, je m'approche. Il y a Chris qui dit un mot, voyons. Là, t'es en face pour te pencher, puis tu regardes aussi comme un piquette. Je suis en dans la vidéo, il va avoir des bouts à part. Hey, c'est des menaces. Let's go! Yeah! Oh! Bon. Moi, ce que je trouve vraiment le plus perturbant, c'est que ça soit transparent. Ah, ok, mais la fois, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est encore un livre en plus. Hop, oh, attention à ton micro! Allez, go,
Un gros merci à tous ceux qui sont passés sur le live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Ouais, puis il y a plein de lives de fous qui arrivent. Ouais, avec des projets, on en a plein. Puis encore une fois, un gros merci à Hécatombe Saguenay de nous avoir accueillis ici. Un gros merci à GM pour l'organisation et tout. Oui, et oui, le Boréal qui nous a fourni tout ce qu'on a goûté. Gros merci, sur ça, on se dit, ciao la famille. À la prochaine. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye.